Je t'ai eu. C'est qui le gentil toutou? C'est toi, Rosie. T'es le plus gentil toutou du monde. Voilà. Allez, ma belle. Je vais aller ranger le harpon. Reste là et monte la garde. Rien de bon. Je devrais dire à Willy que c'est là si jamais on a besoin de bombes. Les lits sont pas mal. C'est mieux que le sol. Cet endroit est... maudit. Ça fait peur. Et c'est méchant. Je crois que c'est bon. Il commence à faire froid. J'apporterai du bois et d'autres trucs la prochaine fois. Ça a l'air horrible pour dormir. Coucou, toi. Oui, je sais, je sais. Ten? Salut, AJ. Salut. Tout le monde pensait que t'étais mort. Parce que, bah... c'est toi. Non, je vais bien. Cool. Je suis désolé pour Violette. Je suis désolé de ne pas vous avoir écouté, toi et Clem. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps des bêtises. Je suis vraiment désolée. J'aimerais que ce soit différent. J'ai beaucoup réfléchi et plein de choses me sont passées par la tête. Et puis j'ai décidé de te pardonner. J'avais peur que tu sois fâchée. J'avais peur, en fait, parce que... Ben, c'est toi. C'est sûrement à cause de ton traumatisme. Clem me l'a dit. Si tu le trouves... tu dois lui mettre un pain dans la tronche. Mais je sais pas comment le trouver. Alors, je vais continuer à faire des bêtises tout le temps? Il y a des chances, oui. Ah, tiens. J'ai trouvé ça au bord de la rivière, sur les rochers. Désolée, elle est mouillée. Je me suis dit que tu la voudrais. Ouais, je veux bien.
Tu devrais la mettre. Non, mes cheveux prennent trop de place. AJ ? Pourquoi t'as mis autant de temps à revenir ? Au début, j'avais honte. Alors j'ai suivi la rivière pendant longtemps, en pensant à Minnie et... Ouais ? J'ai trouvé leur corps, tu sais. J'ai vu ce que les rôdeurs leur avaient fait. Il n'y avait plus que des os et des trucs, de la chair. Je pouvais encore les reconnaître. Enfin, grâce à leurs vêtements. Mais leur visage... ça... Arrête. Je sais que je t'ai demandé, mais je veux pas savoir. À quoi ils ressemblaient. D'accord. Tu sais ce que ça veut dire, naïf ? Non, Clem m'a jamais appris ce mot-là. Tu te rappelles du dessin que j'ai fait pour toi la nuit où Brody est morte ? Avec la maison, les rôdeurs et mes sœurs et moi. Oui, je me rappelle. T'as dit que des fois, tu dessinais tes sœurs comme les rôdeurs les avaient laissées. Naïf, ça veut dire que tu penses d'une façon parce que tu sais pas comment c'est vraiment. Quand j'ai vu le corps de Minnie en vrai et comment les rôdeurs l'avaient laissé, je me suis rendu compte que ces dessins étaient débiles. Cette maison n'existera jamais. Je reverrai jamais mes sœurs. La seule chose réelle, c'est d'être en vie. Je crois que je sais pas vraiment comment le monde fonctionne, AJ. Je pense que toi, oui. Tu pourrais m'apprendre à être comme toi à la place ? Ce que je suis, ça ne fait qu'attirer des ennuis aux autres. D'accord. Tout ce que je sais, je vais te le dire. La première règle, c'est de ne jamais partir seul. Coucou bonhomme, il est tard. Je venais juste voir comment ça allait. On va bientôt manger. Tennessee ! Ah ! Oh Dieu merci ! Hé hey, Ruby. On va te ramener à la maison. Promis. Oh. J'ai tellement faim. Tu m'étonnes. Tu viens ? Ouah ! Tu l'as trouvé ! Comment t'as fait ? C'est Anne. Allez-y, je vous rejoins bientôt. Ça va aller. On rentre ? On rentre. The air is thin, so we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stop. Take us back, oh, take us.
a lonesome bow, the creaks and moans of empty houses, our songs like falling rain. Wind-blown buildings, muddy ground, the strength of fabrique, tête de pioche. Hé, hey, doucement. T'es sortie du lit, je marche. Et t'as des bras, jambes en bois. Des béquilles. Des béquilles. J'ai trouvé ta casquette. Enfin, Ten me l'a donnée. Elle était dans la rivière, alors elle est toute mouillée. C'est vrai qu'elle est pas en super état. Tu sais quoi? Garde-la si tu veux. Je vais la mettre dans notre chambre. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est pour moi? Ouais, Willy m'a aidé à la construire. Allez, je vais te pousser. Je vole! Mais oui! Plus haut! J'essaie! La bouffe est prête, tout le monde! Allez, ramenez-vous! T'es la meilleure, Clem. Ça va être froid! Viens, allons manger. On arrive! Thank you.
du rap, s'il te plaît. Déjà ? T'as mâché au moins ? Ethan, tu veux t'entraîner? Je peux t'apprendre à te servir du pistolet. D'accord. C'est là que tu mets les balles. Quand tu tires, ça pousse une autre balle vers le haut, dans la chambre. Tu sais qu'il faut leur tirer dans la tête. Oui, ça... Ça, je sais. Bon, c'est bien. C'était juste pour être sûr. Je suis fatiguée, mon grand. Tu veux bien discuter avant que j'aille au lit? D'accord. Je t'ai vu. Pardon. C'est pas grave. Moi aussi, je le regarde. Si on devait se débrouiller tous les deux avec moi dans cet état-là, je sais même pas si je tiendrais 2 semaines. J'aurais toujours besoin de mes béquilles. Alors, si on doit fuir un jour... ça risque de mal se passer. Au moins, t'es pas un monstre. Ou morte. Donc y a pire que ça. Ouais, c'est vrai. Ne l'oublie pas. Oh, je suis sûre que tu m'y feras penser. Ça, c'est clair. Tout ça... ça vaut le coup. Toutes ces fois où tu me demandais si on allait trouver un foyer, tout ce que je pouvais dire, c'était « on verra ». Tu devenais tout triste à chaque fois. C'était mieux que de me mentir en disant oui. C'est ce que je me disais aussi. Mais tu veux savoir ce que je t'ai pas dit? J'ai jamais eu de plan. Je savais pas où on allait. En fait, je savais rien. Je me contentais de me battre, chaque jour, en espérant que tu ne le vois pas. J'espérais qu'on trouve un endroit avant que tu comprennes. J'ai fait du bon boulot. Bien sûr que oui. T'es folle ou quoi? Peut-être un peu. Un peu beaucoup, oui. Quand on était dans la grange, tu m'as pas écoutée. Si tu l'avais fait, je serais morte. J'aurais pas dû dire que tu n'étais pas prêt, dans la grotte. Tu m'as montré à quel point j'avais tort. Tu vas devoir être fort pour nous deux. Je le suis grâce à toi. Alors, merci. Pour tout. De rien. Pour tout.
c'est bon, entre. Il est trop cool. Je me demande s'il a des pouvoirs magiques. J'arrive.